set. La fortuna di fare un'attività come quella di dirigere un'orchestra fa sì che a qualunque latitudine o longitudine del mondo il discorso musicale funzioni, perché il testo è sempre lo stesso, quindi le note sono le stesse. In più, a livello internazionale, esatto, è dato per scontato che si utilizzano parole italiane, cioè quando si vuole che un'orchestra suoni più piano, softer, più piano si dice piano in tutto il mondo, forte si dice forte. Naturalmente un inglese dirà pianissimo, con un forte accento inglese e così via, però i termini usati, diciamo, nella musica sono molto, quasi tutti italiani. Allegro, andante, adagio, sono termini italiani. Però toglilo pulito, nel senso, non insomma, tre battute e mezzo, cioè no, o fai due o fai quattro o fai... Sì, come l'ho fatto l'ultima volta, sono arrivato proprio... Sette battute. Buonasera. Ancora, mieux, ma ancora più haut. Bene, una cosa qua. Molto meglio. Subito, non ta. Vediamo ancora. 3 e 4. Basso, anch'io. La disciplina è fondamentale. Se on veut avoir des résultats, n'importe si c'est un sportif o dans la musique, o, il faut être discipliné. La discipline, c'est la base. Être capable d'être concentré sur une chose seulement. Alors c'est très difficile d'être discipliné, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Si vient de l'intérieur le besoin de faire la musique, c'est pas vraiment un sacrifice. Si un chef d'orchestre arrête beaucoup et il laisse pas les musiciens jouer, ça va pas bien, parce que les musiciens ont besoin de jouer. La première rencontre avec l'orchestre, c'est très important. On peut dire que tous les jeux sont dans la première rencontre. Parce que si ça part mal, c'est très difficile de récupérer un rapport avec les musiciens. Ufficialmente. Buonasera a tutti. Dans la pause, les musiciens vont au bar, prendre le café, et comme ça, ils parlent eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ce chef-là? Non, j'aime pas du tout. Oui, hein, il travaille bien, bon musicien. Et après ça, c'est normalement, il y a où ça va mieux, ou quelquefois ça va pire, mais normalement, ça va mieux. L'orchestre, c'est le plus beau instrument, bien sûr, parce qu'il y a tout. Il y a les cordes, le vent, les cuivres, tu as toute la palette des couleurs, hein, avec ça. Et l'orchestre, la chose intéressante, c'est que c'est formé de musiciens
mais sont des musiciens qui chacun a sa personnalité, bien sûr. Alors, le rôle de chef d'orchestre, c'est de focaliser toute l'énergie de personnes. C'est-à-dire, on a une répétition à 10 heures le matin. On arrive, chacun a son problème, chacun a un problème avec la femme, l'autre avec le fils, et tout ça. On arrive là, il y a le silence, et on commence à faire la musique. Le tas de grâce, c'est quelque chose qui peut arriver pour toute la représentation, mais souvent c'est quelque chose de 10 secondes ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on est très proche de la vérité. La vérité avec la V majuscule. Qu'on touche quelque chose de métaphysique et pas seulement terrain, non? On ne peut pas faire la musique sans être ce qu'on est. C'est-à-dire, la musique est filtrée par la sensibilité, par la préparation, par le background. On ne peut pas bluffer. Per me essere direttore d'orchestra è un mestiere allo stesso tempo di grande solitudine, perché viaggiando il mondo si sta molto spesso da soli, e anche di grandissime possibilità di conoscere moltissime persone, moltissimi artisti con cui condividere, diciamo, il piacere, la gioia di fare musica. L'esperienza di New York è stata molto, molto positiva, perché ero già stato in America altre volte in altri teatri, però questo, essendo il primo teatro d'America, il Met, mi sono reso conto, lavorando qui, che è il primo teatro d'America per qualche motivo. Io cerco di vivere molto bene i viaggi attorno al mondo che sono costretto, tra virgolette, a fare, perché mi pare straordinario il fatto che un mese fa ero a New York e oggi sono in Italia, insomma, e a giugno ero in Giappone.